on est à la rue. Et ce soir, on va dormir par terre, les gars. Demain, quand elle va venir me donner les clés, mon congé. On n'a pas dormi de la nuit. Ok, on est avec le BC2, Bilal, représentant un peu BC2, moi, qui est l'impulsif. Voilà. Lui, les gars, il va faire des vraies singeries. Lui, il va faire des vraies singeries. Là, la serait fait. Tonton un peu, tonton un peu. Mon gazon. Monte-nous, chiche, la serait fait. Ok. Non, les gars, là, du coup, on va partir pour 2h30 de train. On va zoner à Paname, tu connais. En fait, l'avion, on le prend que tard le soir, vraiment très tard le soir. Donc, on se rattrape vraiment après. Gare de Tours, la vieille gare. Le train, en gros, il est grincheux. Ah, le check, il est lugubre, les gars, là. Ouais, je suis... Mon c'est les... Ça filme. Ça filme. Les gars, on est dans le Poudlard Express. Ah là là, c'est une singerie de faire un train qui ressemble au Poudlard Express, les gars. Direction Poudlard. Gazon, ah, les gars, là, ça se la fout, Undercover. Vous allez voir le meilleur joueur d'Undercover. Faut dire un mot en rapport avec le mot qu'on a. Vas-y, du coup, ça tombe bien. Sports. On va aller loin. Ok les gars, je vais vous dire le mot dans l'oreille. Bah vous devez capter, bleu, foncé. Ok, donc moi j'ai capté, Ouais. Ah, oui, okay. Je pense une petite idée de qui. moi je vais dire abonnement mensuel. Ok, je crois avoir compris. Abonnement mensuel. Ah bah oui, ok. je dis corps humain. Ok. Je pense pas que j'ai... Non mais moi j'ai... Non, pour l'instant... je crois pas. Pique, ça pique. Je vais bien les gars, je vais bien. Samuel, faut qu'on se capte, faut qu'on se connecte. Vas-y. T'as retiré. Ok, pour ceux qui n'auraient pas capté, avant le voyage, j'avais dit à la Sréfé que j'avais retiré mon déodorant de ma valise parce que je pensais qu'on allait me le prendre à la douane. Du coup, il a tout simplement dit le mot « t'as retiré » pour me rappeler du fait que j'avais retiré mon déodorant et donc rappeler le mot « déodorant » en fait. C'est coup de maître, vraiment coup de maître, je m'incline. Les gars, après 7 heures de marche, on est enfin sur le car, on va directement se diriger vers l'aéroport et on s'attrape quand on est dans l'aéroport, on a vraiment 10 heures d'avance. Franchement les gars, on est crevé premier degré, j'ai pas trop filmé parce qu'on a fait que de marcher. Donc je pouvais pas vraiment filmer, y'a rien à filmer d'intéressant. Ah, aujourd'hui vraiment c'est full transport, mais on s'attrape quand on arrive vraiment, tu connais, à Alicante. La carte la plus forte c'est le 2. 2, As, 3, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 7. Ouais c'est bon, je suis capable. On doit enlever le plus rapidement dans la carte. Vous avez capté? Tu peux jouer en double et en triple. Samuel il joue, il met un 8. Bilal il met un 8. Je suis obligé de mettre un 8. Moi je suis obligé de mettre un 8. Si j'ai pas de 8, Noah il joue, il met n'importe quelle carte. Tant que c'est au-dessus. Ah c'est au-dessus. C'est toujours au-dessus. Vous avez capté? Le but c'est que t'es plus de cartes. T'es plus de cartes, voilà, c'est ça exactement ça. Casse les couilles là. Obligé de mettre un 6. T'as pas de. Obligé de mettre un 6. Et là, 2. Là c'est un 2. C'est un joker, du coup un 2. Okay. Personne peut jouer. Okay. Et double 7. Ok. Enfin on se taille, après tellement de péripéties. Je sais toujours pas comment on va faire pour arriver à l'Airbnb, on n'a pas de taxi. On verra ça sur place. La vue, on est en train de galérer. Ça pour une bouteille de coca, frère. Tape derrière. Avec le boss. La Alicante. Chose. Let's go. Les gars, on est arrivé à Alicante, on est dans la rue, dans la vraie air. Et bien sûr, il fallait qu'il y ait un problème. Non, il fallait qu'il y ait un souci. Là, les frères, le truc, c'est qu'on est devant notre Airbnb qu'on a pris. Et en gros, on a demandé à la meuf de nous faire un late check, c'est-à-dire de nous donner les clés quand on va arriver très tard. On a dit qu'on allait arriver à 2h du mat, le 24. Et en gros, là, je lui dis, on arrive à 2h, je l'appelle. Elle répond pas. Elle est en train de nerfs, elle répond pas. Oh la feinte, s'il vous plaît. Bref, ce qui fait que là, depuis tout à l'heure, on l'appelle, elle répond pas. Donc moi, ma théorie, c'est qu'elle a cru qu'on allait arriver le 25, qu'on allait arriver le 24, là, le soir. Alors que nous, c'est le 23, du coup, qu'on est parti, mais qu'on arrive début du 24. Du coup, là, les gars, on est à la rue.
on sait pas où est-ce qu'on va dormir. La meuf, je l'ai appelée au moins 40 fois. Elle répond pas. C'est-à-dire, les gars, ce soir-là, il fallait qu'il arrive une dinguerie. Ce soir, on va dormir par terre, les gars. En plus, l'air, elle est irrespirable, les gars. C'est humide de fou. C'est irrespirable. Il fait chaud de baiser. On est sale, il faut qu'on se douche. Quête, frère, j'en sueur carrément. Je vous tiens au courant, l'équipe. Mais là. Pas de chance, comme d'hab, pas de chance. Bon, du coup, les gars, je fais une petite visite du Airbnb. Première chambre, l'équipe. Deuxième chambre. Voilà, tu connais. Il a la chambre deluxe. La chambre deluxe. Avec le la binouze, c'est même pas la qui. C'est une singerie, les gars. On est à la rue. Il fait 27 degrés, il est 3h du matin. Eh, les gars, je vous jure, là, les gars, je vous regarde face cam. La meuf, je vous promets, demain, quand elle va venir me donner les clés, je vais m'enclencher. Je vais l'enclencher. En fait, comment quand tu envoies quelqu'un, tu lui dis on arrive le 24 à 2h du matin, comment tu peux penser que je vais venir le 25? Si j'allais venir le 25, j'aurais dit je viens le 25 à 2h du mat. Mise en place, voilà. La Srévé va nous expliquer comment on va procéder. Comment s'organiser. Eux deux là, ils vont les restes. Il y en a deux, trois, ils vont partir chasser. Donc là, eux les gars, il y en a un qui dort, il y en a un qui surveille les bagages. Ensuite, lui aussi dort. Après, on va inverser. Eux deux, ils vont surveiller les bagages et nous, on va dormir. Ouais, en fait, les gars, on a un Fox River. C'est. Les gars, je suis torse nu. Je vous jure qu'il fait trop chaud. Carrément, notre seule nourriture, c'est des princes. Voilà, les seuls bails qu'on a. Là, il est 3h du matin. Je pense que ça va attendre jusqu'à au moins 7h. Et après, on va voir ce qu'on fait. Les gars, il est actuellement 6h du matin, il fait jour. Et gros, qu'est-ce que je te dise? Franchement, moi et Bilal, on va dire MVP de cette nuit, les gars. On n'a pas dormi de la nuit. On a fait que de surveiller les caisses. L'air, il est humide, tout est mouillé. La meuf du Airbnb, elle a toujours pas répondu. Bref, en fait, on est des vrais. Là on va essayer de chercher à manger. Mais du coup voilà les gars, on a passé une nuit dehors. Ah les vacances les gars, ça commence mal. Et oui les frères, nous ne sommes plus SDF. Enfin on a acquis notre petite villa Airbnb les gars. Venez avec moi, je vais vous faire le room tour. Déjà tu connais la petite pièce à vivre normale. Vas-y, filme bien le frigo là, faut qu'on leur montre le frigo. Voilà, tu connais, il est vide mais on va bientôt le remplir. Là les gars, tranquillement, télé, écran plasma là, avec les deux branleurs qui Guilard, là. La petite balle les gars, pour la brésilienne, je vous montre un peu mes skills en brésilienne. Je vous mets un petit tour du monde là juste pour vous. Là tu connais, ici la chambre de moi et la Srévé. Voilà. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à noter le petit outfit rose, tu connais. Dites-moi si vous aimez bien la petite casquette. Et là on a première salle de bain. On va faire des petites photos. Normalement on va y avoir deux autres personnes de plus qui vont venir avec nous. Là il y a une autre salle de bain mais c'est la même, je vous la montre pas. Et là tu connais la dernière chambre. Oh le matelas est tellement pas rebondissant gros. Mais du coup voilà les gars, en tout cas là le programme ça va être quoi? Ça va être là, on va se poser parce qu'on a trop souffert, comme vous avez vu on a vraiment trop souffert. Donc on va vraiment juste là se reposer. Et dès qu'on sort les gars, je vous rattrape avec la caméra de toute manière. Let's go. Non les gars, dans la villa on accueille de nouveau. Présente-toi. Ah les gars, moi je m'appelle Yann. Et là ce soir aujourd'hui je vais chercher ma princesse. Et ma princesse aujourd'hui c'est... Du coup les gars, jour 3 en Espagne, mais jour 2 avec l'Airbnb du coup. Je viens de me réveiller il y a pas longtemps, là j'ai juste pris ma douche. Du coup aujourd'hui, je vais essayer de vlog un peu, mais ça va être difficile. Parce qu'aujourd'hui on compte faire une grande randonnée, monter une énorme montagne. Je vais prendre la caméra c'est sûr. Mais voilà, en tout cas pour l'instant on découvre encore la région. Tu connais le vlog, il est un peu bordélique, c'est un petit vlog, c'est pour vraiment expérimenter le bail. J'espère quand même que ça vous plaît, que ça vous fait marrer. On a quand même dormi dans la rue. Vas-y, vamos. Let's go, nouvelle journée en Espagne qui commence. Tu connais, là, on est avec les jeeps, on s'équipait. Les gars, là, premier degré à Alicante, il fait encore très chaud. Là, on se rend au petit market. Le petit market, celui-là, frérot, il nous a sauvé la vie. Il est vraiment juste à côté de notre Airbnb. Putain, les gars, le parc. Le parc maudit, les gars, exactement là où on a dormi, putain. Le terrain est miné, là, les petits ils savent pas sur quoi est-ce qu'ils jouent, là. Wow les gars, la muraille de Chine qu'on va escalader les frères, ça va être atroce. Début de la randonnée, j'en suis sûr les gars, il fait trop chaud, la vie fait trop chaud. La vie les gars c'est vraiment haut, hein. Le chemin il est là, mais vas-y frère, j'ai envie d'un petit peu d'aventure, pas péter la caméra les gars. Ah sa mère, des cactus. Vamos. Ok les gars, oh là 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 là, incroyable. J'attends d'être en haut les gars, on va avoir des plans de fou, vraiment on va avoir des plans de fou. Bon les gars, ça commence déjà à être bien. Wesh, ça me pique là. Je sais pas si je vais pouvoir bien filmer parce que là il y a vraiment que des cailloux. Guettez les frères. On est déjà sur un cul-de-sac.
Oh là là. Troisième cul-de-sac, il y en a vraiment des béants. Bon, fin de la randonnée les gars. Ah désolé, j'ai pas pu grave beaucoup filmer. Parce que en gros là on s'est rabattu sur le bon chemin parce qu'on est en train de. Complètement on était en train de bloquer. Et là on est enfin arrivé en haut. On est tous KO. Tous KO. Donc là on va tranquillement rentrer à la casa. En tout cas objectif accompli, on est monté en haut, c'était quand même pas mal. Et là on va se poser après. Go la playa, tu connais vraiment ça. La playa. Ouais, comment ça va les gars? Ça fait super longtemps que j'ai pas pris la cam parce que tout simplement je profitais des vacances donc j'avais pas trop envie de transporter la caméra avec moi. Là pour la faire courte, on est vendredi et on part lundi dans la soirée de lundi. Donc là aujourd'hui, tu connais, on est tranquillement débordeur. Donc je crois qu'il y a un Nike Factory pas loin, du coup on va aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, beau soleil, hein. Allez, vamonos. Vamonos. Comment sa journée là, c'est comment là? Tranquille, hein, tranquillement les gars. Je suis KO là. Ah. J'ai trop Il a trop souffert hier. Première fois qu'on va prendre le métro ou je sais pas ce que c'est. Elle a bien lugubre. Hein. Bon, on va voir où ça nous mène, hein. Ciao, ciao. Bon, là on est arrivé, mais je vois un truc qui m'intéresse plus que le Nike déjà. Aga. Moi je crois que ça va plutôt aller gras ici. Et les gars, faut qu'on vous dise un truc. Vous savez que depuis qu'on est arrivé en Espagne, on n'a pas vu une seule fois une bouteille d'Oasis. C'est-à-dire que l'Oasis c'est banni de l'Espagne carrément. Donc là on va aller au KFC. Si je trouve pas d'Oasis, je vais ouvrir un petit business, un petit grec. Je vais implanter l'Oasis en Espagne les gars. Comme ça je vais devenir riche. Les frères, désolé si des fois je regarde plus le retour que l'objectif. C'est un tic. Mais il faut que je m'habitue à bien vous fixer dans les yeux là. Les gars, dites-vous, on est au KFC. On est au KFC là actuellement, toujours pas d'Oasis. Là, à Adidas, j'ai pris un maillot du Mexique, j'ai pris Adidas. Je vous montrerai plus tard. Mon gars, tu connais, hein. Ah, lui, il déguste. Le seul point positif là, c'est que la boisson c'est illimité. La boisson elle est limitée, ça c'est bien. Mon gars, le bon burger. Bon appétit, bon appétit. Ah, le seul jour où je filme, l'eau elle est bien noire. Franchement, ce qu'on va faire là, c'est se poser. On va rester allongé, on va bronzer. Je vais essayer de vous montrer la mer d'Alicante la nuit avec le coucher de soleil, ça va être cool. Mais en tout cas, je ramène pas la caméra dans l'eau, ça c'est sûr, mon gars. Je la ramène pas dans l'eau. Starfish, les autres enfants sont jaloux. Ça, c'est une très bonne eau, les gars. Château là. Ah, mes cheveux, c'est une singerie. Dites-vous là, c'est même pas coiffé, je veux même pas coiffer en fait. En tout cas les gars, aujourd'hui, dernière journée à Alicante. J'ai pas trop filmé ce temps-ci parce que on a vraiment rien fait à part juste, tu connais, se poser sur la plage et sortir le soir. Et là du coup, bah dernière journée ici, on part ce soir à 4h du matin. Donc là on va juste faire un peu de boutique et se promener. Petit maillot du Mexique, la gage. Je sens l'air qui passe à travers mon cuir chevelu. Ça fait du bien. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'avais autant de cheveux que ça sur mon durac. Parce que là, en vrai, je pas les contours, mais tu connais. À part la fois, on l'a dormi dehors. Franchement, on n'a pas eu trop de soucis sinon. Et laquelle Myril? Oh mon dieu. La gueule. Carrément, ça vend des fausses Versace et tout. Chie. Transition. On a changé le maillot. Mais tu connais toujours la coiffure de Tahiti Bob. Là, let's go à la playa. Dernière fois qu'on va aller à la plage. Je vais vous emmener avec moi à la plage pour cette dernière soirée en Espagne. Et après, we take the fly to France, yeah man. Ah, les gars, ce magasin là, c'est vraiment. Le magasin nous a vraiment sauvé la vie, frère. Mais les gars, ici, les prix, ils sont tellement peu chers qu'on part en France. Il était sérieux, le Totalita, le Frescante à 70 centimes, les gars. Qui a vu ça autre part qu'en Espagne, sérieusement? Dites-vous là, sur mon compte, il me reste que 2 euros de plafond. On est le premier demain, donc je peux acheter vraiment que dalle avec ma carte. Et là, gros, je vais faire le meilleur achat de ma vie. Une bouteille de Fanta à 80 centimes. Mon gars, j'en ai acheté deux. Après, je suis là, je rigole, mais à tout moment, ça passe pas. Hein. Je me prends un peu mon refusé pour 1,60€, les gars. Voilà. Vamos. On va bien boire. Vamos. La playa. En plus l'eau là, elle a l'air d'être bien propre. On va goûter la petite bouteille. Là ça va partir en brésilienne, je vais vous montrer un peu mes skills avec ma coupe du Brésil. Ah,
entrar então em clima. Ah, rebola pra mim, novinha, então empina. Rebola pra mim, vai de like, então empina. Ah, rebola pra mim, novinha. Allez, on se casse de la playa. On va passer par le passage piéton le plus dangereux d'Alicante. Dis-toi, tous les jours on fait ça. Il va falloir sprinter là. Vamos! Allez, immigrés là! Allez, là! Oh, ok, tout le monde est passé. Voilà, outfit aéroport. On est en short, jaquette, t-shirt. Et on espère qu'en revenant en France, il fera pas super froid. Bon, en tout cas, Alicante, c'était vraiment cool. Je vais vous dire quelle heure il est. Il est 23h, on décale de la maison à 3h du SBA. Du coup, on s'attrape à 3h du SBA, les gars. Et à tout à l'heure, à l'aéroport. Wow. Ah, c'est l'heure d'aller à l'aéroport. Je suis éteint, mes cheveux, ils ont gonflé de baisers. Eh oui, les frères. Là où... Wesh! Il y a quelqu'un qui dort! Là où... Wesh, carrément, ça nous a volé notre spot. Sur le banc aussi, Wesh, sur le banc aussi? Mais non! On ressent leur peine. You! Comment ça va les gars? Bon, du coup, pour faire le topic, j'ai pas pu filmer tout le retour en fait avec la caméra parce que j'avais plus de batterie et en plus quand je suis arrivé en France, les gars, il pleuvait à plein temps. Vraiment, on est passé de 35 degrés à 20 degrés à Paris. Pour ceux qui se demandent, on est tous bien rentrés, tout s'est bien passé, le retour a été tranquille, on a eu l'avion à l'heure, tout est good. Enfin rentré chez moi, je me suis dressé. Voilà, je vous montre pas, hein, c'est caché sous le durex. Si jamais vous voulez voir la coiffure, vous venez sur Instagram. Voilà, le Instagram ça fait juste ici, vous pouvez venir. On s'amuse sur Instagram, on rigole, on hack. Et voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit vlog en Espagne. J'espère que franchement la vidéo vous a plu. Voilà, petit moment cosy, vous avez peut-être mangé ça devant votre plat ou alors avec votre copine ou dans votre lit tout seul. Bah comme moi actuellement quoi. C'était un vlog, mais j'ai pas non plus vlog tout le truc parce que j'ai quand même profité de mes vacances. Mais j'espère que ça vous a plu quand même, que je vous amène avec moi et que vous avez bien rigolé devant cette vidéo les gars. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas les gars à laisser un like, même un petit commentaire, ça me fait grave plaisir. Je lis tous les commentaires vraiment, je lis tous les commentaires à chaque fois, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Une petite critique même, ça fait même pas de mal, franchement moi je prendrais tout bien. Et voilà, merci encore une fois, on a dépassé les 20 000 abonnés, ça fait super plaisir les gars. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, mon Twitch, mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok bien sûr, hein. Je pense que vous me connaissez plus de TikTok. Du coup c'était ça, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous les gars, adios.